Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va décrypter ensemble tout ce qu'il faut savoir avant cette nouvelle saison de Top 14. C'est parti. En story sur mon compte Instagram, je vous ai mis une petite boîte à questions pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous aviez avant cette nouvelle saison de Top 14 et on va discuter de ça tous ensemble. Donc la première question c'est combien y aura-t-il de journées de Top 14 pendant la Coupe du Monde? J'ai cherché le programme détaillé donc comme ça je vais pouvoir vous faire du début jusqu'à la finale de Top 14, vous allez avoir toutes les informations. Il y aura 3 journées avant le début de la Coupe du Monde de journée de top 14 qui commence ce week-end le 19 août. Ensuite, pas de match pendant la Coupe du Monde, c'est quand même assez logique, tous les championnats sont figés et il n'y aura aucun match de championnat dans le monde durant cette période. Le top 14 reprendra le 29 octobre, le lendemain de la finale, un dimanche. La programmation n'est pas encore sortie, mais on peut supposer que tous les matchs de la 4e journée de top 14 vont se jouer le dimanche à la suite, à des heures différentes ou en même temps, ou ainsi, tout en simultané comme on a la dernière journée de top 14. Je sais pas, mais en tous les cas, tout reprend le lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Au sujet de la période des doublons, il y a 7 journées de top 14 qui vont se dérouler avec ce qu'on appelle les doublons, c'est-à-dire pendant lesquelles les internationaux ne sont pas disponibles pour les clubs. Ça va être considéré avec 2 semaines d'abord pour la préparation du tournoi destination, les 6 semaines de compétition plus la semaine de repos obligatoire que doivent opérer les joueurs. Pour la suite, les demi-finales de top 14 se dérouleront cette année à Lille les week-ends du 21 et 22 juin. Et pour la finale, elle aura lieu le 28 ou le 29 juin, on ne sait pas encore. Et la finale se déroulera à Marseille puisque le Stade de France est occupé, est en rénovation. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est déjà occupé ou si il sera toujours en rénovation pour les Jeux Olympiques. Est-ce que le bunker va faire son apparition en top 14? Alors la réponse est non. Pour le moment, en top 14, le bunker ne va pas faire son apparition. Même s'il existe déjà dans le mondial de U20, il a été utilisé pour la première fois cette année. Il sera utilisé pendant la Coupe du Monde. Il est utilisé actuellement pendant les matchs de préparation. Mais du côté de l'hémisphère sud, c'est pas nouveau puisque c'est déjà utilisé dans le rugby championship qui est la compétition, un peu le tournoi destination de l'hémisphère sud, et dans le super rugby. Pour ceux qui connaissent pas, j'explique rapidement les règles. Ça consiste à mettre un carton jaune à un joueur pour un geste qui est dangereux, et pour pas perdre le temps de regarder les images à l'écran, de passer du temps, que les joueurs se refroidissent, qu'on mette 30 ans à l'arbitrage vidéo pour savoir si c'est un jaune, un rouge, nanana. L'arbitre, quand il met le carton jaune, il fait une croix avec ses bras, ce qui veut dire qu'il fait appel au bunker. C'est-à-dire que le joueur qui prend le carton jaune sort du terrain, il est exclu pendant 10 minutes au minimum. Et pendant ces 10 minutes-là, il y a un groupe d'arbitres indépendants qui est dans une salle, c'est pour ça qu'on appelle ça un bunker, qui est dans une salle et qui va regarder pendant 10 minutes les images pour déterminer si le carton jaune doit rester jaune, parce que le geste n'est pas dangereux, ou s'il peut le devenir un carton rouge. Au bout de ces 10 minutes, ou un peu avant, souvent c'est entre la 8e et la 10e minute du carton jaune, on a l'information, on voit soit l'arbitre du match sortir un carton rouge, ce qui signifie que voilà, le joueur est exclu définitivement, soit eh bien il se passe rien. C'est très avantageux parce que ça permet, comme je le disais, d'éviter tous ces moments où on regarde les images et les images et les images et les images et avoir potentiellement l'influence du public sur l'arbitre. Parlons des jokers Coupe du Monde. C'est quelque chose qui revient tous les 4 ans à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde et c'est assez complexe. Un joker Coupe du Monde, c'est un joueur qui va arriver dans un club pour pallier l'absence des internationaux qui sont pendant la Coupe du Monde. Un joker Coupe du Monde peut être appelé pour 2 joueurs du club appelés en sélection. Donc si je prends un exemple, je prends exemple Gabin Villière et Charles Olivon qui sont partis avec le 15 de France pour préparer la Coupe du Monde. Toulon peut donc appeler un seul joker pour pallier l'absence de ces 2 joueurs. Mais il y a quand même une exception. Pour les joueurs appelés en première ligne, vous pouvez prendre 1 joueur pour 1 joueur. J'explique. Julien Marchand et Peato Movaca qui sont appelés avec le 15 de France. Toulouse pourra appeler 2 jokers pour pallier parce que c'est des joueurs de première ligne. Effectivement, un joueur de première ligne, ça peut pas jouer plusieurs postes à la fois. Ces joueurs-là sont généralement déjà arrivés puisqu'ils ont fait la préparation d'été dans leur nouveau club. Ils joueront à partir du début là, de la saison de top 14, donc c'est-à-dire ce week-end, et ils peuvent jouer jusqu'au 19 novembre. Ils ont laissé 3 semaines après la Coupe du Monde le temps, par exemple, de pallier les blessés, le temps de récupération, les vacances, etc. etc. Donc ces joueurs-là joueront jusqu'au 19 novembre. À la fin de la Coupe du Monde, 3 solutions pour ces joueurs. Soit ils retournent dans leur club d'origine dans lequel ils jouaient avant la Coupe du Monde,
Soit ils ont signé dans un autre club après la Coupe du Monde, par exemple, ils ont signé en tant que joker Coupe du Monde à Toulouse et après ils vont jouer dans un autre club pour le reste de la saison. Soit le club dans lequel ils ont été joker Coupe du Monde décide de les garder, de leur faire signer un contrat professionnel pour jouer le reste de la saison ou voire plusieurs saisons. Dernière question, comment ça marche les GIF? Alors je sais pas trop comment ça se prononce, moi j'appelle ça comme ça. Alors les GIF, ce sont des joueurs issus de la formation française. Un joueur peut être considéré comme un GIF quand il a passé au minimum 3 semaines dans un centre de formation dans le club dans lequel il est et qu'il a eu une licence de rugby auprès de la FFR pendant au moins 5 ans. Pas forcément 5 ans d'affilée, mais 5 ans dispatchés, ça marche. Cette règle, elle a été mise en place en 2011 par la LNR qui s'est un peu inquiétée, voire même réellement, de l'arrivée massive d'étrangers dans le top 14 et ils ont voulu s'imprégner de ce système qui existe déjà en Nouvelle-Zélande depuis de nombreuses années et qui permet d'élever le niveau des joueurs du pays et après créer un gros réservoir pour l'équipe nationale et donc après ensuite de créer des équipes de haut niveau. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on a de très bons résultats avec l'équipe de France. Et je peux prendre l'exemple de Baptiste Jonot qui est un joueur qui est quand même très jeune, il faut se le dire, et qui, par les GIF, par le fait de travailler dans le centre de formation, d'avoir aussi du talent, il faut se le dire, est déjà en équipe première avec Clermont. Et d'ailleurs, il est nommé vice-capitaine cette saison avec Clermont. Alors la LNR, elle a fixé un taux. 70% des joueurs par feuille de match, en moyenne dans la saison, doivent être issus des GIF. C'est-à-dire que 16 joueurs sur 23 en moyenne dans la saison doivent sortir du centre de formation français. Pas forcément celui du club, mais d'un centre de formation français. À la fin de la saison, 2-3 journées avant la fin de la saison régulière, la LNR fait les calculs. Elle permet de dire à certains clubs s'ils sont loin ou pas, parce qu'il y a de gros risques. On peut vous enlever des points au championnat parce que vous n'avez pas respecté ces totaux. Ce qui veut dire que ça peut avoir quand même de grands enjeux si vous jouez les phases finales ou la descente en Pro D2, etc., etc. Donc c'est très important de respecter ces quotas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir et j'irai faire des recherches si j'ai pas toutes les réponses. Maintenant la saison de top 14 commence, j'espère que ça va être très sympa. Moi j'aimerais bien voir une équipe autre que Toulouse ou La Rochelle gagner, j'avoue ça pourrait permettre de faire un peu de dynamisme et pourtant c'est une Toulousaine qui parle, donc voilà. Mais voilà, donc j'espère que tout se passera bien pour eux et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.